C'est qui, ça? Oh! Il n'y avait pas d'icône machin sur sa tête. Est-ce que je suis censé le courser? Oui, il faut que tu le suives. D'accord, voix flippante qui veut m'aider. Doit y avoir un autre moyen d'entrer. T'as des super pouvoirs, c'est ça, hein? Quoi? C'est juste ta façon de te déplacer, les trucs que tu fais! Bon, ben, bonne chance, petit! Non, attends, je m'appelle Sam, et puisque tu m'as sauvé, je voudrais faire un truc pour toi. Pas la peine, sauf si tu sais où trouver une hélice. Une hélice? Attends, attends, j'ai une idée. Oh, ça va être parfait. Viens, suis-moi. Il faut qu'on sorte d'ici. Suis-moi. Bon sang, c'est quoi ce truc? Ça a l'air dangereux. Je vais m'en occuper. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. Allez, passons par les docks. Une petite balade sur les quais. Là-haut, sur les containers. Je suis pas mal pris en ce moment, Floyd, mais j'ai trouvé un gars qui pourrait m'aider. D'accord. Bon, va continuer d'essayer alors. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire quand on reste pas toute la journée planqué dans un conteneur. Attention! Je suis trop fan de toi! Si tu veux. Mais je te préviens, j'ai pas besoin d'un toutou. Vas-y, je te suis. Oh non, on est coincé. On va jamais s'en sortir. On va tous mourir. Oh merde, t'as raison. On va tous mourir. Hein? Vraiment? Non.
Ok, on tourne rond là. Réfléchis, Sam, réfléchis. Voilà le plan. Il va falloir détourner ce train. C'est génial! En plus, quelle chance que tu saches conduire un train! Quoi? Mais j'ai jamais conduit de train! Bah alors pourquoi tu proposes d'aller voler un train? Eh bien, vois-tu, parce que sinon on va crever! Alors, puisqu'on n'a pas le choix, moi au moins j'ai passé des centaines d'heures sur Choo Choo Simulator! Les trains, c'est tout moisi, mais. Mais celui-là pourrait nous sauver! Ils ont cassé la barricade! Là! Les voilà! On va vraiment crever! De mort. En même temps, je connais pas trop de tornades de vie. On dirait que la voie est libre. On y va. Arrête de chouiner et suis-moi. Je vais voir si j'arrive à le démarrer. Toi, va inspecter l'intérieur du train. Et tu t'occupes des overdosés, ok? Qu'est-ce que tu voudrais que je trouve dans le train? Un sandwich SNCF? Je sais pas. Il y a peut-être des munitions. Ah. Oh. Voyons ce que je peux assembler. Bientôt sur vos écrans, la série Z, train et terroriste. Un cétrique. Un bon ça. Une pincée de ceci. Doux et explosif. Comme le chocolat et le beurre de cacahuète. Yeah.
tuer les ultra chiantes. Oh non, j'avais pas pensé à une chiante. Eh ben non, là je trouve que ça t'attaque non-stop. C'est quoi ce truc? Je sais pas, du miam miam pour la loco. Le train sifflera 15 fois. J'ai réussi. T'as conduit comme un chef. Je nous ai sauvés. Ouais, faut pas exagérer non plus. Viens, notre repère est juste un peu plus bas. Alors, Sam, qu'est-ce que tu faisais tout seul dans cette usine? Oh, tu sais, je cherchais des provisions pour moi et mes potes. Ils m'ont envoyé parce qu'ils ont tous des trucs importants à faire à la base. Des trucs importants? Comme quoi? Je sais pas trop. Mais ces amis, là, c'est vraiment des amis? J'imagine. On est tous étudiants à la fac d'Oxford West. Oxford West? C'est pas l'internat où tous les riches et les stars envoient leurs gosses quand ils vont faire une cure de désintox? Ouais, mais c'est une école super. J'ai une bourse. Je suis le seul. Tous les autres payent leur inscription. Bref, quand les overdosés ont attaqué le campus, on est une poignée à s'en être sortis indemne. Une chose avant qu'on entre. Mes amis ont du mal à se remettre du choc, alors vas-y mollo avec eux. Si on arrive à faire bosser tout le monde main dans la main, on te fera une superbe hélice. Hé, hey, les amis, permettez-moi de vous présenter... Ta gueule, Sam. Ils craignent tes potes, Sam. Ils sont pas méchants, juste trop gâtés. C'est la génération Y, ils sont pas parés pour l'apocalypse. Moi, je peux essayer de les motiver. Mais il faudrait que j'attire leur attention. Et si tu m'aidais à les aider? Tu veux quoi? Que je te coach? Ouais. On commence par quoi, coach? Primo, m'appelle plus jamais coach, ok? Deuxio, tu ne refais plus jamais ça. Tertio, voyons ce qu'il faut à tes potes pour se bouger le cul et travailler sur l'hélice.